Nada! Karim court vers l'immeuble pour chercher dans Sinevie. Tu cherches quelque chose? Karim sursaute, mais dit rien. C'était la sœur et le frère bébé de Nada. C'est toi, l'amoureux de Nada. Je suis Mara. Où est Nada? Dans la cave? Il n'y a personne dans la cave. Où est Nada? Elle n'est plus là. Ils l'ont emmenée. Qui l'a emmenée? Et où? Elle est blessée? Non, elle est morte. Je ne te crois pas. Maa hausse les épaules et après avoir fait le demi-tour, commence à s'éloigner. Non, attends, dis-moi. Maa retourne et raconte. Je venais tout juste d'entrer dans l'abri quand la bombe est tombée. Il y a eu un bruit terrible et tout s'est mis à bouger. Trois étages se sont effondrés d'un coup. Pouf! Dessous, il y avait la tante Leila, mes parents et Nada. Nada est mort. Mort. Il ne la verra plus. Il ne la touchera plus. Il ne l'embrassera plus. Jamais. 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 La prochaine jour, Maa décide d'aller à Shlifa avec Jade. Elle offre Karim de venir avec eux. La première réaction de Karim était « Shlifa? C'est où ça, Shlifa? » Maa répond « De l'autre côté de montagne, dans la Beka, pas très loin de Baalbek. » Cette fois, Karim ne trouve rien à répondre. Enfin, il dit « Tu es folle, tu es complètement folle. » « Ah oui, je suis folle. C'est ce qu'on va voir. Et quand je serai à Shlifa, je t'enverrai une carte postale, si les bombes ne t'ont pas attrapé d'ici là. » Tu ne sais même pas comment y aller. « Ah non, regarde. » Maa montre une carte du Liban. « Mais pourquoi veux-tu aller à Shlifa ?» Maa explique que la Croix-Rouge cherche elle et Jade. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne. Sauf Jade. Mais la Croix-Rouge veut nous séparer. Ils veulent que nous volions en France et allons dans des orphelinats. Karim trouve son courage et décide de joindre Maa et Jade sur leur journée à Shlifa. En tout cas, ça, ils n'avaient plus de raison de rester en Beyrouth. Cet été. Prépare-toi pour le film de l'année. La route de Shlifa.